Poufouf YouTube, poufouf Julien, comment qu'il va? Hello, ça va bien toi? Ça va, Julien qui revient de vacances d'ailleurs si je ne m'abuse. Où as-tu été Julien pendant ces vacances? Côte d'Azur. Pas, c'est nul, fallait venir dans le nord, voilà, c'est là où sont les vrais jours d'été. Bon du coup, bah, bonnes vacances à tous, bien joué et bon retour à ceux qui sont partis, et puis bah, bon courage pour la bagnole à ceux qui vont partir. Évidemment, respect aux travailleurs qui, comme moi, restent juillet-août à la cassa. Voilà. Mais bon, envie de vous dire, nous n'avons pas tous les mêmes valeurs, Julien qui nous vient de Suisse. Voilà, voilà. Alors donc, du coup, en Suisse, quand on part en vacances, on vient en France ? Ouais, enfin là, c'est plus parce que y a... à cause de la petite crise sanitaire. Non, je sais pas, mais bah, j'imagine que oui, par rapport à Miami, ça doit être moins, moins chaleureux, mais... Je savais pas que les Suisses venaient en vacances en France. Bah écoute, c'est cool. Alors, qu'as-tu pensé de notre beau pays ? Bah c'était pas la première fois que je venais. Hein. D'accord. Et non, mais c'est cool la France. Toujours aussi bien ? Oui, oui. Port du masque pour les vacances, alias Corona. C'est chiant ou ça passe ? C'est relou. Ah ouais ? Ouais, à certains endroits, quand tu fais les musées, enfin les... Ouais, tout ce qui est lieu public, et etc. Ça. Ouais, ouais. Et tu sais que moi, j'ai mieux encore. Ce week-end, j'étais à un rassaut de voitures en plein air, en extérieur, port du masque obligatoire sur tous les parkings. Donc dis-toi, c'est chiant le masque quand t'es dans un... dans un restaurant, quelque chose comme ça. Mais imagine-toi un rassaut de voitures dehors, sur un parking, en plein soleil, avec le masque. Début de la vidéo, je vois même pas ce que je filme tellement et je mets de buée dans mes lunettes. C'est un délire. Enfin bref. Donc, et à mon avis, de ce que je lis ici et là, c'est pas fini. C'est pas fini. Du coup, on est en alpha. Vas-y, tu peux faire prise de service. Et bonjour, on va aller sur l'Exide. Bonjour, ainsi que du brigadier Beauvais en patrouille alpha, mise en service patrouille. Alpha, deux effectifs en Renault Clio. Ah là là, comme il fait ça bien. Bien pris d'Oscar, bonne patrouille à vous. Merci. Merci, tu peux leur dire que mission, nous on va aller sur Lakeside, parce qu'on va faire monter pas mal de braquages, etc. Donc on va essayer de voir un petit peu à quoi ça ressemble, ça marche. Ouais, ça marche. Histoire qu'ils nous envoient pas sur Vanderville dans deux secondes, tu vois. On nous aurait signalé peut-être un braquage futur sur Lakeside. Du coup, on part en on va aller voir. Exactement. Ouais, suivi, on y est aussi. Ah, bah, parfait. Alors du coup, on va plutôt partir aller de l'autre côté. T'imagines, ils nous font un truc à la Batman, c'est-à-dire blocage des ponts avec les flics bloqués, alors pas dans les égouts mais sur une île, tu sais. Tu sais que c'est déjà arrivé. Hein. C'est vrai ? En Suisse ? Ouais, non, pas en Suisse, moi je te parle de la 4e. D'accord. Oui, la vraie vie, bien sûr. Allez, vas-y, bah écoute, fais-nous rêver. Ah, mais en gros, une fois, il y a Bac qui était en surveillance et puis il s'est fait bloquer en plein milieu du braquage. Ouais. Il pouvait plus ressortir et puis il se faisait tirer dessus. Voilà. Et pourquoi il s'est fait tirer dessus ? Parce qu'il s'est montré en fait. Ah, malin la Bac, malin. Coucou Bob, bienvenue. Malin, malin. Non, bah après, c'est sûr que bon. S'il se montre, voilà. Après, c'est vrai que t'imagines, t'es tout seul sur une île. Parce que nous, on a plein d'îles, hein, pour ceux qui connaissent pas. Si vous connaissez pas, les gars, il y a 2000 vidéos à rattraper, faites-vous rêver. Et imagine, tu te retrouves bloqué sur une île, ça tire de partout, t'es tout seul. C'est soit tu te tentes un truc à la Rambo, soit tu te tentes un truc, tu planques ta bagnole, tu jettes tes habits, tu ressors en caleçon, tu fais genre t'es un touriste, tu sais, et t'essayes de te barrer par un pont, t'essayes de voir avec ta radio pour qu'ils viennent te rechercher un peu scred, parce que sinon tu vas te faire découper. Et d'ailleurs, si vous ennuyez, sur Netflix, il y a tous les Batman à mater. Je vous les recommande chaudement. Ils sont excellents. Et bienvenue aux nouveaux follow. Bienvenue aux nouveaux abonnés sur YouTube également. Et Julien, aujourd'hui, je vais essayer de ne pas nous tuer, mais on va aller au contact. Mmh. Mmh. Comme tu le sais, nous avons une hausse des braquages que j'appellerais de type île. Donc on est sur des prises d'otages de l'île entière, c'est-à-dire on a des îles qui sont entièrement prises en otage. L'idée c'est d'essayer d'aller voir un petit peu qu'est-ce qui favorise bah, ces fameuses prises d'otages et peut-être essayer d'empêcher tout ça. Merci Saladrien, ça fait plaisir, bienvenue Cricri. Est-ce que tu peux m'appeler à la sécu s'il te plaît et m'informer le nombre d'unités et le nombre de véhicules? Parce que je pense que un véhicule de police ou un véhicule de sécu près d'un pont ou près d'un point chaud, potentiellement, ça peut freiner certains ou, si ça ne les freine pas, ça nous permet d'être directement
directement informés et eux, ça leur, ça leur empêche de gagner du temps et de commencer à se placer. Un exemple tout con, si quand t'arrives sur une petite boutique, tu vois, t'as envie de, voilà, c'est les vacances, tu veux te faire une petite boutique tranquillement, merci Saladrien, ça fait plaisir, tu vois, genre voilà, imaginons, tu vois, voilà, t'es Saladrien, tu veux braquer une banque pour Twitch Prime, et ben, s'il y a personne autour, t'as ton temps, tu peux mettre tes potes sur les toits, tu peux mettre tes... Tu sais, t'as le temps de placer les bagnoles, etc., comme t'as pu le voir déjà plein de fois et beaucoup. Alors que si, dès le début, t'as la sécu qui est en mode... Vous voyez, ça va même te... J'en peux plus. Je demanderai de vous rendre sur le Lakeside, s'il vous plaît. Je suis devin. Voilà, ma colère sera terrible. Bon voilà, soit t'es comme moi, t'as des dons de fou, et vraiment, le numéro du loto, les gars, pour les subs, je vous les envoie en privé après, voilà, n'hésitez pas à sub, c'est 100% remboursé, je vous balance les numéros du loto juste après, ça rembourse instantanément le sub, les gars. Voilà, allez en avant. C'est celui d'Alpha, est-ce qu'on pourrait avoir... Non, j'en reviens pas, nous sera super au plus proche. Monsieur Asipeur au plus proche de la vérité. Bon, je termine quand même ma phrase. C'est suivi en, en gros, l'idée, c'est s'il y avait directement un flic sur place, bah, ils n'ont pas le temps de se placer. Bon, là, écoutez, malheureusement, on n'a pas, pas eu le temps d'arriver. Pour information, ce serait de l'arme lourde. Hein. Okay. Arme lourde, suivi. On se met sur le pont. Tu penses que sur le pont, c'est chaud? Attends, on va se mettre vite fait. Attends, c'est qui ça? Ah, c'est bon, c'est les flics. Les collègues. Ok, attends, on se met là 3 secondes. Je veux checker, je veux analyser la carte. Tiens, c'est con, je pensais qu'on allait avoir un petit peu le temps, tu sais. Pour information, les sécurités pour bloquer. Ah, vas-y, vérifie que t'es le calibre, tu sois prêt et tout, tu vois. Moi, c'est bon, je suis en rafale. Ok, nice. Asgard Alpha. Transmettez. Ouais, vous confirmez du coup nos autorisations d'ouvrir le feu directement? Sur tout individu menaçant et armé, oui. Tout le monde est menaçant. C'est reçu. Bon, Julien, je te préviens, si t'as un soupçon de menace... Je vais être obligé de... Alors, voyons voir. Fais gaffe, le pouf-tel est juste à gauche. Hein. Ouais, j'ai vu. Donc ça va nous shoot direct. Attends, mais il n'y a pas de bagnole, il n'y a rien. C'est censé se barrer comment? Oscar d'Alpha, vous avez vu une voiture de fuite ou pas? Pour faire circuler les camions. Hein. Ouais, carrément, parce que si on descend, on va se... Faut les faire partir, ceux-là. Vas-y, t'as qu'à te mettre en normal. Vas-y, vas-y, vas-y. Mets-toi en normal. Eh, hey, messieurs, reprenez vos camions, faut circuler, là. Allez, circulez, messieurs! Hop, 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 circulez! Allez, messieurs! Faut circuler, messieurs, circulez, circulez! Dépêchez-vous! De tension, les mecs. Ouais, mais en même temps, la vie, c'est saut 2017, quoi. Voilà, c'est normal aussi. Ok, donc déjà, on évacue les civils, je trouve qu'en soi, c'est une bonne idée. Donc là, ils sont toujours en train de braquounage? Ouais. Mais il est censé, il est censé se barrer comment? Quoi? Il est non mais comment il est censé partir? À patte, soit par devant, soit par derrière. À patte? Il va où? Ouais, mais il va où à pied? Chez lui? Je sais pas. Non non. Appelle la sécu s'il y a des unités de dispo. En plus, on les fait venir ici. Hein. Quitte à aller au casse-pipe, ouais, autant qu'on soit pas mal. Donc on est bien d'accord que si l'individu est tout seul on piou-piou. Et qu'on puisse bloquer l'avant et l'arrière du pouf-tel, on piou-piou. En soi il peut pas sortir. Ah, il a l'arme non. C'est possible, sauf qu'on est pas sûr qu'il soit seul. Là c'est affirmatif, c'est sûr. Et il serait... Regardez à droite là, tu vois des gens ou pas? Non, et moi je vois même pas où il est, tu vois. Je sais même pas. Normalement il est où il y a la porte qui ouvre. Ouais mais tu le vois? Non, je vois pas. Ah là, c'est ça le souci. Gauche, là. Ouais. Et puis tu t'arrêtes juste là. Voilà. Ici? Vas-y. Avance encore un petit peu, tu t'approches vers la haie, puis on descend, puis on peut. Ok, non, avance, avance, avance. Il y en a un sur le toit là à gauche. Oscar d'Alpha. Transmettre. Ouais, Pax au niveau du toit, à côté du McDo, je vous place un point. Le toit là qui est en face de nous? Attends, regarde la carte. Attends, ouais, mais mec, moi si je regarde la carte, je vois plus où on va. Attends, Pax. On est où nous? Ah oui! Il était là, il nous a regardé par le trou de l'échelle. Attends. J'ai une petite marche arrière. Donc là, si tu bouges pas. Là, le Burger King. Ouais, j'ai vu, il est au-dessus, je crois.
Et normalement on peut le shoot. Vas-y, vas-y, shoot-le! Vas-y, collègue. Oh là là, ça va être chaud. Bref, bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui aiment bien l'action, c'est bien en ce moment. Il y a tout le temps des petits braconnages. Tout le temps de la guérilla urbaine, mesdames et messieurs. Ça, c'était sûr. De toute façon, les gars, une fois qu'ils ont eu leur bac, voilà, Pôle emploi, braquage, c'est nous pour information, c'est nous. Actuellement, le chef de bord est en train d'effectuer des tirs de neutralisation sur le PAX marqué plus tôt. C'est reçu? Ça, c'était sûr, les gars. Hein. Le bac... cette année, le bac... Pôle emploi, braquage, drogue, violence, prostitution... qui sont ces jeunes qui ont rejoint le monde de la violence? Voilà. Hein. On l'avait dit, hein. Oscar, pour information, mon collègue est abattu. Oh là 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 là. Le collègue est tout seul. Ouais, j'ai entendu. Mais ouais, mais qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu veux faire aussi? T'as réussi à l'avoir, toi, ou pas? Non, non. Il y a de la sécu qui arrive. Fais-moi venir de la sécu. Sécurité de police. Vas-y, fais-les venir, fais-les venir. Vous avez encore des unités de dispo? Si c'est comme tous les jours, ce serait deux ou trois individus armés tous lourdement qui ouvrent le feu pour tirer sur les policiers plus que pour se barrer avec l'argent. Étant donné que mon collègue est abattu, je proposerais un... Vous avez combien de patrouilles? Là, on essaye de voir avec la sécu si on peut pas tenter une attaque en force. S'ils sont que trois, comme vous le dites. Vous avez pu vous mettre à l'abri ou pas? Vous en avez laissé une sur le pont Paradis. Ah ouais, fais-les venir. Les deux autres, vous me les envoyez sur l'Exide. Et même s'ils ont pas de véhicule de fuite, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Tu vois ce que je veux dire? Faites attention. Ouais, carrément. Oscar d'Alpha, pour information, on prépare un escadron de renfort sécurité avec comme consigne d'avoir l'arme à la main, c'est reçu. Oscar d'Alpha, vous confirmez, il n'y a pas de véhicule de fuite? Négatif, pas pour le moment. Ok, c'est reçu, ouais, donc pour ainsi dire, même si on sort, la situation ici reste quand même vachement chaude. Affirmatif, mais on a ça tous les jours depuis une semaine, mon commissaire. Ouais, je sais, c'est pour ça que je voulais venir à l'Exide de patrouiller, mais j'ai plus eu le temps d'arriver. En plus, vous l'avez vu, mais c'est vraiment ce que... Bon, je l'ai pas dit à Julien avant, mais je pense qu'il avait compris. Je voulais qu'on vienne à l'Exide, justement, pour patrouiller. Transmet. Et on n'a pas eu le temps d'arriver. De revenir avec moi, on va reformer une patrouille à 3. Vous êtes où? Je vais placer un point sauvetage. Ouais, sinon, si vous pouvez vous déplacer, le mieux c'est de nous rejoindre. Hein. Vous êtes où, vous? Place un point. Point marqué, on est à l'écart en sécurité. Tuer, vous tirez sur tout ce qui bouge. Il y a la sécu qui va... Il y a la sécu qui va arriver, police, justement. Faites attention, ils sont armés à ouais, mais faut qu'on y aille avec eux. C'est quoi en face, là, qui bouge? La sécu. Sécu de police. Non, mais faut mieux qu'on soit plein de bagnoles, hein. Sécu de police. Trachez pas trop, hein. Ouais, rejoignez-nous, s'il vous plaît. Vas-y, monte, mais je pense honnêtement que c'est mieux qu'on soit plus de voitures. Hein. Parce que là, si on peut vite se faire avoir, là. Vas-y, go. Ah ouais, faut pas qu'ils... Dis-leur de passons un par un, ils sont... S'ils font ça, ils sont foutus, les mecs. S'ils font ça, ils sont foutus. Gâteau à préf, hein. Ouais. Il nous a fou là ce matin. Ah mais il y en a un dans la supérette, un qui est là-haut. Et il y en a un dans le café là que vous avez marqué. Ah, on sait déjà où sont tous les PAX? Bah on sait pas s'ils sont que 3 ou s'il y en a encore. Et dans la fois qu'ils ont fait, ils étaient 16, hein. Ah, il y en a un sur le toit là-haut. Toit de la grosse pref, je sais pas si t'as vu. Faut qu'il planque. Se mettre dans la pref, peut-être dans la cité. Ouais. Et reprends la radio à la sécu, ça sert à rien qu'il nous... Non mais dis-lui à la radio d'arrêter de tuer le véhicule de police, il n'y a aucun intérêt. Il y a une radio qui l'utilise. Sinon il la débranche. Sécurité de police. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez vous positionner un petit peu sur l'Exide, d'accord? On va faire un plan d'attaque. Ouais, mais qui reste pas collé. Mais non, mais ce que j'aimerais bien, c'est qu'on soit pas autant des cibles faciles, ça sert à rien là. Regarde! Mais regardez! Okay, pourquoi on est tous ici? Non, mais! Pour le oh là là! Mais. Direction sud, ils ont plus de radio là, sécu? En attente. D'accord, vous faites des tours entre le quartier résidentiel, vous montez extérieur parking, vous tournez et puis vous essayez de prendre des informations sur les potentiels PAX. Et évitez de vous faire shoot. En aucun cas vous vous arrêtez, vous restez toujours en roulant, d'accord? Il y a un pack sur la pref.
Bon, ensuite, pour l'autre véhicule, la Peugeot, vous faites des tours entre le McDo Nord et Et c'est pas possible! Bonjour à et vous, le centre R3, vous effectuez à ce le centre de Lakeside. Faites très Oui, attention, bonjour, on on a est en des braquage points sur l'excès. PAX entre la préfecture, le Mon commissaire m'a McDo redéposé mon centre, véhicule et j'ai un collègue qui va arriver. ainsi que le Ouais. Pouftel. Attends. La prochaine fois, reste dans ton véhicule Ouais. parce qu'au final, on prend des risques pour rien. Pour les effectifs au niveau du On pont, va je vous être laisserai déposé. Il y a le prendre major votre des arme balles qui est au sol. létale dans vos mains et C'est mieux effectuer sous un seul. des contrôles sur tous les individus qui Allez, arrivent au Théo, elle niveau des était là-bas, pompes, ta les faire voiture. sortir des Ouais. véhicules et mettre les mains Vas-y. sur la tête Attends, en aucun cas tant vous qu'à laisser faire, partir quelqu'un limite si tu veux. bloque le pont paradis si tu peux. Excusez-moi, j'ai rien compris. Bloque le pont paradis. Bah vous le butez. Si tu Bah peux. butez-le. Armement lourd. Et Vas-y. Il est armé? Attends, sinon on va aller le faire. Elle est toujours au brin la radio ici. Ou alors S'il quand n'est il pas armé, l'utilise vous le pas, faites pas. il. Essayez de le faire sortir. Mais Et non, mais s'il y puis, a Jasoma, let's go, s'il hein. obéit pas, vous le butez. Non, en fait, c'est un mec désarmé qui court en plein milieu. Attends, je vais mettre les bits. Voilà. Essayez de faire ça stratégiquement. Il y a 4 sécu qui attendent à des ponts, mesdames et messieurs. Nous allons aller. Après, à voir s'ils sont 30, évidemment. Mais là, si. Ils sont 3, je pense que ça peut se faire vu que là on a des effectifs. Qu'en penses-tu, jeune brigadier? Ouais, ça peut. Bah Ouais, ça peut le faire. si on est une fois et demie plus que. Ouais, ça peut le faire. Faut juste qu'on joue ça stratégiquement, en Ouais, fait. ce qu'il faut c'est bien chercher où ils peuvent être, tu sais. Alors, Regarde les s'il n'y a PAX pas de déjà qu'on bateau. a, c'est sûr qu'ils sont là-bas. Et à mon avis, ils vont pas bouger de plus belle. Ok. Maintenant, pour le PAX qu'on a mis, localisé nous, on peut toujours regarder un visuel dessus. Au niveau de la tour, Essayez il de est à voir si ça gauche. descend. Ouais. Il est à gauche, Parce qu'à là-haut. mon. Mais Ouais, lui, ouais. tu vois, vu où il est, lui, il peut pas aider plus que ça, ses pattes, hein. Bah ouais, mais pour nous c'est très difficile de le neutraliser, à part si Ouais. on monte sur le bâtiment vert. Ouais. Et après, t'as le gars, là, qui est au niveau du SFR. Est-ce qu'il est toujours dedans, aussi? On sait Alors, pas. bref. Oui, klaxonne. Au niveau du Non, SFR, bah, j'ai pas plus d'infos. je crois qu'il est toujours dedans. Il doit toujours être Titre dedans. coup de feu. Négatif d'alpha, c'est pas non. Faut voir avec la. C'est qu'une police. Oscar, ouais, c'est la sécu, Oscar, pour information, C'est qui vous est qui venez passée. de vous faire tirer dessus? Suivi. Ouais, partez, partez, partez. Ok, vous repartez en arrière et vous cachez, vous mettez en position de défense. Ils ont réussi à trouver où. Le mec est toujours dans la supérette? Ouais. Donc là, juste à gauche, là. C'est ça? Non, la supérette, elle est à côté de la préfecture. Tu vois la grande tour? Ouais, mais là, le bâtiment là qui est juste derrière, il n'y a personne qui est planqué là? Parce que quand il est passé là, c'est là où ça a tiré, c'est pour ça. C'est pour Non, toi, il n'y a alors là, il n'y a personne? personne. Ok. Non, non. C'est. On aurait dit qu'il était passé Tu vois le devant. bâtiment? Tu vois le bâtiment qui est à gauche, le vert? Attends, parce que bâtiment vert à gauche. Oui! Truc de. Oui, je vois. Il faudrait qu'on essaye de se déposer là. Ah Ouais. merde, il y a la sécu qui est morte là-bas. Parce que c'est le mec qui est sur le toit et puis moi je peux essayer de monter sur le toit. Attends, ils sont Et déjà puis morts avoir le là? mec. Attends, bah appelle la sécu si on n'est plus qu'à deux, on se casse hein. C'est qu'une police. S'ils Je sont suis déjà prévenu tous partout, morts. je vais prendre départ depuis le commissariat. Attends, j'avais espoir qu'on arrive à durer un peu plus longtemps. Ouais, le raptor est décédé? Ça, du coup, on l'envoie en attente d'affectation. Bonjour tout le monde. Il est en raid, hein, sérieusement. Bonjour, un jour, vous affectez la patrouille Oscar. On fait vite un retour et puis. Mais non, mais là, les nouveaux effectifs, ça serait plus intéressant qu'ils sortent en raid, non? Oscar d'Alpha? Transmettez. Ouais, ça serait pas plus intéressant s'ils ont les affectations de sortir une raid? Il ne peut pas sortir une raid tout seul. Bah avec le nouveau qui est arrivé. Il est déjà parti du coup. Oui, suivez mon commissaire. Ah, il est déjà parti? Ouais, le brigadier là, il est Ah! en route. Il arrive. Bah, tant pis. C'est le truc, c'est que tous les flics se barrent d'ici, il n'y aura plus personne, quoi. Yotuna, bienvenue. Parce qu'au Radio pire, tu Radio. vois, il y a Ouais. les collègues qui arrivent ici. Nous, au pire, ce qu'on peut faire, Nous, c'est on aller peut se chercher mettre un au hélico. bâtiment. Ouais, mais l'hélico, le truc, c'est que le temps qu'on y aille, Mon Dieu, petit garçon, on revient, il n'y a ne plus me dis pas personne, que tu tu vois es ce que je encore veux dire? Non, parce que tu vois, si les collègues sont là, PSFFL. ils vont rester sur l'opposition, ils vont pas bouger, hein. Ouais, mais comme les collègues ils sont commissariats, c'est plus simple que ce soit eux qui le fassent.
Ça, ça me paraît logique. Il y a un seul collègue au commissariat. Ouais, mais ça semble plus simple du coup que c'est lui qui prenne l'hélico. Oui, ouais. Bah oui, mais... Parce que si c'est à nous d'aller là-bas, de prendre l'hélico et de revenir, alors que là, il y a des gars au commissariat, tu vois. Et du coup, c'est qu'ils ont perdu un effectif, là. Ouais, ils ont perdu l'équipage Raptor. Ouais, à mon avis, il s'est fait asmat par le gars qui était dans la... Dans la petite supérette, là, tu vois. Ouais, ouais, ouais. On va voir, sans ce mot, Taco Bell. Et toi, attends, d'ici, t'avais pas de vision, toi, quand t'étais là? Oui, 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 j'avais un petit visu, mais j'ai que le visu échelle. Ah, attends, bouge pas. Vas-y, vas-y. Essayez d'avoir les petites visions, vous savez. Pour essayer de faire le piou-piou. Le piou-piou de la piou-piou. Parce que là, vu comment on est loin de la plage, à mon avis, je pense pas que ça va se tenter de se barrer. Avec le collègue, ce qu'il fait. Sur l'excite, c'est tellement grand. On a pris la pire voiture pour faire ça, je l'ai. Bonjour à tous, précieux de la joie Isaac, on entend des félicitations pour la patrouille Oscar. Vas-y collègue, on est là. On est là, collègue. Pour une fois, ne fuis pas, petit raton. Mais non, mais vous êtes fous, on est en intervention là, les gars. On essaye de gérer la truc, tu vois. Justement. Mais l'idée, c'est qu'il faut qu'on reste en vie aussi. Le deal, il est là. C'est, il faut qu'on fasse attention, mais qu'on reste en vie. Parce que si on crève, bah voilà, bah c'est fini. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est trouver le juste milieu parfait entre ne pas trop se mettre en danger. Vous voyez, ne pas trop se mettre en danger. Et en même temps, prendre un max d'infos pour transmettre aux collègues. C'est ça qui est, ça qui est compliqué, tu vois. Parce que... En gros, nous, on pourrait être le 4x4 qui est au milieu de la route, là. Toscar, prenons départ sur un... Regardez, vous voyez, nous, on pourrait être eux. Mais si on est eux, bah, il n'y a plus personne pour transmettre les infos, pour donner des consignes, etc. Qu'est-ce que tu vois, alors, Julien? Eh, ça bouge, là, sur le toit, mais je peux pas la voir. Je vois que son sac à dos, faut attendre... Tu veux qu'on aille sur le pont, sinon? Non, parce qu'après, c'est celui du toit préfecture qui va nous avoir. Ok, ok. Donc là, et... faut rester là en attente, et puis dès qu'il se montre à l'échelle, et bien je peux le buter. Vas-y, vas-y, vas-y. Moi, je vérifie qu'on nous back pas, ça marche? Ouais, ouais. Bon, déjà, on va mettre ça en place. Oscar d'Alpha. Ouais, pour information, nous, on s'est mis en position au niveau du Taco Bell. On est en visuel à un tireur, on se tient près, dès qu'on pourra le neutraliser, on le neutralise. C'est reçu? Vous êtes sur le toit du Taco Bell? Non, non, on est en bas du Taco Bell, on a vision sur le tireur qui est sur le magasin de donuts, je crois bien. C'est suivi, faites attention à vos arrières et gardez ces positions si vous pouvez pour l'instant. Ouais, je sais, c'est pour ça, on est là, on est en attente. Voilà. Au moindre danger, par contre, vous bougez. J'en ai bien là. Alors, on va voir. Alors, j'espère qu'il pourra la voir rapidement, qu'on va pas devoir rester là 2 heures. Ah, les pauvres. 4x4 au milieu de la rue, mesdames et messieurs. Ouais, c'est la nouvelle Clio 4 ou Clio 5, je sais pas c'est laquelle. Je les reconnais jamais de toute façon. Mais on est sur une des... On est sur une nouvelle. Hein. C'est mis Clio, écoutez-vous. On fera un sondage si vous voulez, à votre avis. Est-ce qu'on va mourir ou pas, mesdames et messieurs? Est-ce qu'on va avoir des renforts, surtout? Normalement, il y a des renforts qui devraient arriver en nombre, là. Donc, ça devrait potentiellement s'améliorer. C'est moi, j'ai vu une tête. Alors, t'arrives à voir visu ou il se montre plus? Il bouge, il tourne. Mais en fait, il sait que t'es là ou pas? Non, t'inquiète, non, juste parle. Te mets pas en... Non, okay. Non, je peux pas l'avoir. J'ai que son sac, en fait. Et il sait que t'es là, tu penses, ou pas? Ah non, il sait pas. Bon, bah déjà, ça fait ça de gagner, j'ai envie de te dire. Déjà, ça fait un truc de gagner. Et donc là, on est tout seul sur Lakeside? Non, non, il y a les collègues qui sont là aussi. Donc en fait, il y a tout le monde qui est là, tous les policiers sont là. Ok, parfait. Ah, j'entends que ça tourne. C'est un véhicule de police? C'est ACQ. Ouais, c'est ACQ, c'est bien.
Bonjour, fais service du Major Duval en service back. Ouais, c'est sûr. Ok, là on est bon. Déjà, on a notre petite position à nous. J'ai été revérifié de mon côté, ça bouge pas. T'as reçu ? Ouais, c'est sûr. Donc pour ici, sauf si je passe, ça sort de la mer, on est bien. Ça tire. Ouais, je pense que ça tire sur la sécu. Peut-être que ça a bougé de ton côté. Peut-être que tu as pu avoir c'est un visuel. Qui viennent de passer sur... Ah non, c'est la sécu qui viennent de passer sur le pont. Ok, nice. Moi, je couvre tes arrières et j'essaye de voir avec les collègues ce qui se passe le temps qu'ils arrivent. Ce qu'il faudrait, c'est que chacun prenne une position qui permet de couvrir l'autre. Oscar de Codis. Ah. Transmet. Bonjour, il y a actuellement un braquage sur Lakeside. Affirmatif. On n'a pas autorisation d'intervenir. Négatif, vous avez capacité. pour l'instant, une balise au nom de Monsieur Enzo Cani, proche du parking. À quel niveau? Je vous place un marqueur. Bonjour, il y a un braquage sur Lakeside? Non, jamais! Avec la sécurité de McDo. Et par la suite, on s'occupe de la. Ouais, suivi d'Alpha, je crois que je viens d'en abattre un là au niveau du. Du. Marchand de. Ça serait celui qui est au McDo ou ça serait un autre? Celui qui est juste à côté du McDo, Rafi. Marché de donuts. Suivi, donc potentiellement il reste plus que deux packs. Ouais. Affirmatif, mais je l'ai vu tomber, mais je sais pas si c'est couché ou si c'est moi qui l'ai touché. Il est au sol ou pas là? Il est à quel niveau? Là, dès que vous avez un visu, juste en face, il s'est montré pour tirer sur. Vas-y, bah, allez, remets trois cartouches hein, si tu veux. D'Oscar, on est toi si t'es pour. Histoire d'être sûr qu'il souffre pas. Pour pas qu'il souffre. Vraiment pour pas qu'il souffre. Parce que. Faut pas laisser souffrir, tu vois. Oscar d'Alpha. Histoire d'être sûr, mesdames et messieurs. Ouais, on a encore un agent de sécu qui vient de te. Pax, c'est... ça veut dire individu méchant. Pour faire simple. Voilà ce que ça veut dire. Un petit peu les idées, mesdames et messieurs. Je sais pas si ça va faire comme la dernière fois, on verra. Ah, déjà, mon collègue est toujours présent, donc ça fait plaisir. Alors, t'as réussi à l'avoir ou pas, tu penses? Tu penses que tu l'as eu? Et je pense, ouais, il est tombé comme si je l'avais touché. Ok, attends, j'ai pas vu, il y a un sécu qui s'est refait stopper au milieu. De quoi? Là, regarde en face, il y a un autre sécu qui s'est fait stopper. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Et pourquoi ils veulent pas rester en vie? Eh, on leur a jamais dit de se garer au milieu de la route. Moi, j'ai jamais dit ça. J'aurais juste dit d'arrêter de se garer derrière moi. Parce que en cas de fusillade, s'il y a un gars qui est derrière nous, on meurt tous. Vous voyez ce que je veux dire? Forcément, tu vois. Mais je leur ai pas dit de se foutre au milieu de la rue et d'attendre. Putain, fais chier. Pensez que je vais réussir à dormir après cette journée, mesdames et messieurs. Regardez-moi ça. Ta 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 ta. Regardez le massacre. J'ai perdu 3 effectifs. En gros, on était beaucoup plus nombreux qu'eux et on va finir à pas assez nombreux qu'eux. On va finir à devoir se rendre. Pour information, on s'est scindé en 2 effectifs Oscar, donc on a une partie qui est au niveau de. La chair, c'est la Légion. Yoken, bienvenue. Bienvenue à tous et merci à Tuna, la sub, ça fait très plaisir. Ouais, n'hésitez pas à nous rejoindre. Mettez-vous en sécurité, mesdames et messieurs. Ouais, si vous avez des infos, d'où ça vient? J'irai derrière concession. Bref, bien joué. Ouais, c'est suivi. Tu penses que je peux. Potentiellement un, et un restant ou deux. En face, on est d'accord. C'est ça? Ouais, en face. Mais ouais. Potentiellement en face, je l'ai buté donc. Tu veux que j'essaye d'aller voir pour vérifier? Je passe par derrière, tu vérifies si en face il est bien tombé? Ouais, si tu veux, vas-y. Vas-y. Couvre-moi, hein. Voilà, le courage, mesdames et messieurs. Regarde. J'ai mon collègue qui va check le toit de du petit marché, là. Je le couvre depuis où je suis. Ouais, si ça vous semble safe, allez-y. Dès que vous avez fini, vous prenez de la sécu avec vous, vous allez check le McDo. Bien sûr. Pour l'instant, on garde le visu depuis cité et le reste va pas être que Oscar tourne pour vous couvrir. Merci. On sait jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais l'appeler. Je vais l'appeler parce qu'on sait jamais.
Merci Balthazar, ça fait plaisir, bienvenue à toi. Bonsoir tout le monde. Bienvenue, bienvenue, bonsoir à tous mesdames et messieurs. Dispo sur YouTube pour ceux qui voudront aller voir, pour se combattre, qui veulent s'en merveiller. Ouais, là, je peux y aller, je peux aller droit vers la petite haie. Tu peux aller droit, je te cours. Vas-y, go, je cours. Le gars, il serait tombé où? En haut, sur le toit. Ah, il est sur le... Il est sur le toit. Ouais. Oh, t'abuses. T'aurais pu le faire tomber, quoi. Je suis désolé. Il serait à quel niveau sur le toit? Sur le toit, pile au milieu. Tu vois le coin? Ouais, au niveau des groupes électrogènes, là? Ouais. Ah, fais chier, je vois rien d'ici. Attends, je me fais shoot. T'es là? Ah, faut tirer. Je me suis fait shoot d'Alpha. Quel côté? Une position. Quel côté? Je sais pas d'où ça vient, je sais pas d'où ça vient. Suis, on continue de tourner tout ce. Je sais pas d'où ça vient, David. C'était derrière toi, tu penses? Ah non, c'était devant. Ok, donc c'est vers où je suis du coup. Attends, c'est qui est sur le toit là-bas? Ah ok, c'est la sécu. La sécu, ils sont sur le toit de l'usine là. Ok, parfait. À ta droite. Oscar d'Alpha. Ouais, pour information, la sécu a pris position sur le toit d'une usine, c'est reçu. Ils ont gilet noir et jaune. Ouais, suivi pour information d'Oscar, on a également deux effectifs Oscar qui se baladent depuis la cité pour essayer de prendre des positions discrètes. On va mourir. Je sais pas d'où il est. Je suis sur le toit, tu m'entends? Sur le toit? Ouais, j'ai réussi à monter sur le toit. Lequel? Celui du Taco Bell? Ouais, non, non, non. Le toit juste bâtiment à côté. Ouais, ouais. Bâtiment vert? Ouais. Par contre, ils font chier avec leurs arbres là. Rien? Ah bah. Je vois des feuilles. Je vois des feuilles. J'ai aucun visu, je vois rien. Moi, c'est cet arbre là. Tu penses qu'on peut le couper? Hein? Alors, je suis pas bûcheron. Ouais. Non, mais sérieusement, il y a vraiment. Si on va sur le toit de l'hôpital et on le shoot. Ah, mais c'est chaud. Attends, fais attention à toi, fais attention à toi. Ouais, c'est bon, c'est pour moi. Je crois que ça tire. Pref, là. Tu vois ton gars bouger là au niveau Non, je vois plus rien, je vois plus rien. Sinon, je peux monter sur le toit du Taco Bell. Hein. Attends, je vais dire. Ouais, ça m'a l'air clear le toit du Taco Bell, vas-y. Allez, Oscar, pour information. Mais fais gaffe, hein, parce qu'il est peut-être un peu fatigué le toit du Taco Bell. Qu'il a jamais ouvert, fais gaffe de pas tomber dans un trou. Ouais, c'est bon, je monte. Ouais, je regarde. Vas-y, bon, mets-toi à l'abri, ok, bien joué. On est bien pour là. Information, je suis sur le toit du taco. Ouais, je suis. J'espère que t'as pris assez à boire et à manger. Toi, usine, c'est sécu. Ouais. Ok, si. Donc là, le gars Pref, il a été tué, c'est ça? Le gars Donut, il a été neutralisé par toi? Alpha d'Oscar. On sait pas encore s'il a été transmis. Le pas sûr à ça. Bouffel, là, il serait toujours dans le bouffel ou est-ce qu'il aurait bougé? Je peux pas vous dire, mais dernière position connue dans le pouftel. Monsieur, pour information, au bas du pouftel on avait rien, donc peut-être à l'étage. Yes, Sophie. Ok, donc là du coup tu veux que je fasse quoi? J'essaye. T'as le visu là sur le toit du bâtiment que tu veux que j'aille vérifier? Alors toi t'es où? Je suis là, regarde, tu regardes, regarde devant toi, t'es où là? Ah oui, c'est toi la casquette blanche? Là. Ok, parfait, tu vois pas à gauche là? Attends, j'aurais potentiellement buté mon mec. Ouais, si, mais le souci c'est que j'ai l'arbre devant. Ah, tu vois rien. Non, c'est pour ça ce que je te disais. J'ai l'arbre, j'ai l'arbre. Il y a un mec qui court. Où ça, en bas? En bas de toi là. À ta gauche, à ta droite. Je suis sur le toit, je vois rien. Abat-le hein. Ça vient vers toi. Ça vient vers toi, tentative de suicide. Veste explosif. Couche-toi, Julien. Je sais pas, c'est un civil qui veut mourir encore une fois. J'en la peux police, plus. Merci à toi, bienvenue.
Oh, j'ai vu sur le toit, il y en a un sur le toit. Julien, bref, toi bref. Il m'a eu en visu. De Alpha, toi bref, il en reste un. Suivi. Alors on va retourner. C'est sûr. Je l'avais en face de moi, mais j'étais en train de t'écouter. J'étais en train de t'écouter engueuler machin là. Une tentative de suicidaire. T'en as la vie, ça leur paraît abstrait, hein, c'est un code promotion. Hein. C'est vraiment, ça a une valeur sur 15 jours après. Donc là, toi, après, il en reste. Ouais, il y en a un hein, qui s'est bien levé, j'aurais pu l'avoir, mais j'étais en train de regarder. Je sais pas s'il m'a vu, il s'est recouché direct. T'as visu là, toi, pref? Non, toi, pref, j'ai aucun visu. Ok, bon, moi, j'ai visu s'il se relève alors. Il était sur la gauche. Noir, je sais pas, une sorte de hoodies, un sweat, mais j'étais en train de regarder la tentative de suicide de ton côté, là, donc... Tu vas voir, il va monter à côté de moi, il va s'allonger à côté de moi, dans deux minutes, je vais entendre, hey, monsieur l'agent, ça va, il se passe quoi? Rien, c'est la fête des mères, c'est bien connu. il s'est cassé. Moi, je lui mets une balle, hein, si de loin, comme Je lui ai lancé trois balles en l'air, il a compris. Ok, fais gaffe, ça... Oula, ça tire sur ma position. Sur toi? Ouais. Ça tire sur moi, là. J'ai mon collègue qui se fait toucher, là, sur le bâtiment vert, depuis près. Ouais. Tu veux descendre du toit? Ouais, je vais essayer, mais ça va être chaud, mec. Vas-y, je te couvre. Vas-y, couvre-moi. Ah putain, je vais devoir descendre en rappel. Je descends en rappel. Yes. Mec, j'étais obligé de descendre en rappel. J'ai senti la corde de mon sac à dos là. C'était incroyable. Incroyable, putain. J'ai fait descendre, j'ai couvert mon collègue pour qu'il puisse descendre du toit. Ouais, suivi, bouger, découvrez. Vas-y, fais tir de sommage, reviens vers toi. Ok, quoi, tu vois le bâtiment. Attends, t'as dit deux fois ok. T'as dit ok pourquoi? Pour que je vienne ou ok parce qu'il y a un mec? Non, bouge plus. Ok. Bouge plus. Tu restes où t'es, tu vois le bâtiment juste à ta droite, où normalement j'aurais dû buter le mec? Oui. Il y est toujours. Oh, en toiture? Ouais. Et tout à droite. On le voit bouger. Attends. Tout à droite de l'échelle ou tout à droite normal? Non, tout à droite. Bonsoir, il est à l'opposé de l'échelle. Là, regarde, je te mets un point noir. Vas-y, mets un point noir. Bonjour à vous. Attends. Vous allez affecter au scan. Ok. Ah ouais, il est toujours sur le toit. Voilà, il est toujours sur le toit. Oscar d'Alpha. Ok, le Pax au niveau du petit marché de notes est toujours sur le toit, côté droit, au niveau du point noir que je vous ai placé sur la carte. Pour être sûr. Alpha, pour info. Comme ça, tu vois, s'il se sentait un peu en confiance, il sait qu'on sait où il est maintenant. Et que j'étais juste à côté de lui. Il est toujours sur le toit, là? Ouais, je l'ai vu bouger. Ah, putain, mec, c'est dingue. Moi, je vois et les arbres, je vais... On va devoir supprimer les arbres, hein. Non mais c'est plus possible. Au bout d'un moment, c'est plus possible, tu vois, c'est... Est-ce que je ressemble à un panda, moi? Non? Bah voilà. Faut qu'on puisse sortir une autre. Bah ouais, on voit rien du tout. J'ai tenté de tirer... J'ai tenté de tirer à travers, mais y a... Regarde-moi les pinus, là. Impossible de voir un truc. Ou alors, faut faire des petits arbres. C'est trop gênant. Faire une plainte forum, moi. Plainte contre les arbres. Des arbres. Des fougères. Des petites fougères. C'est vrai, c'est trop chiant, quoi. Même ça, tu... Genre, je devrais tirer dessus, il devrait tomber, tu vois. On devrait tenter un truc. Non, on attend les renforts, mais je sais pas s'il y aura les... Il y aura jamais de renforts raid, hein. Ah ouais. Si nous, on va au commissariat et qu'on prend les raids. Ah ouais, mais mec, c'est chaud aller au commissariat, se changer, revenir ici, t'imagines. Vous êtes sûr à 200% pour le Pax bref? Ah oui, affirmatif, mon collègue s'est fait tirer depuis là-bas et puis il l'a vu. Hein.
Ouais, celui. Donc pour information, on a un visu sur la pref. S'il se lève, normalement, il se fait battre. Mais pour information, on a personne qui a montré sa tête pour l'instant. Ah, c'est sûr. Et là, tous les renforts, ils sont autour, là? Ouais, ouais, ils sont autour. Toi, t'es où, toi? Moi, je suis là, coucou. Attends, regarde. Ah, j'ai... Ok, je vois. Vas-y, vas-y, cache-toi. Ok, ok, nice. J'ai vu, j'ai vu. Ah, j'ai une bonne idée de m'habiller en blanc aujourd'hui, tiens. Youhou, les copains, tirez-moi dessus. Au pire, puisque là, ça dure depuis déjà un petit moment. Ils ouais. vont bouger de plus belle, hein. Ils vont toujours rester sur leur position. Ouais, qu'est-ce que tu veux faire? Donc on va au commissariat, on prend une paf raide. Et on les snipe puis... depuis l'hélicoptère. Ça tire sur la sécu, là. L'attaque est allumée. Qu'on tire. Après, on fait coup de feu, hein, sur l'axe... Ouais, suivi, vous avez quelle position? Alors, je recommence. Un effectif au taco et l'autre en face au niveau du bâtiment vert. Moi je suis. Donc, comment bon, ça va aller mieux. Proposition? Non, rien, rien, je suis là, j'avais pas la lumière. Mais t'en penses quoi de ma proposition? Trop bien. Bah, alors go, on bouge. On va chercher l'hélico, on revient et puis on le bute. J'ai pas écouté, j'étais pas là. On prend une paf raide. Ouais. On vient en raid. Ouais. On pilote. Ouais. On vient là. Ouais. Et puis on les allume. Ah, ça a l'air bien, ouais. Parce que de toute façon, ils sont sur les toits. Donc si on revient avec les ICO, eh ben on pourrait les avoir depuis les ICO. C'est vrai. Envoie oui raid au 3606, 50 centimes plus un Twitch Prime pour voter pour cette idée. Demande à Oscar ce qu'il en pense avant. Oui. Oscar, tu sais, les autres là. Moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse un retour commissariat, qu'on sorte une paf raide et qu'on revienne. Voilà! Ouais, si on attend, on essaie de faire bouger le toit. Une frappe nucléaire, j'avoue! Pour information, ils sont sur les toits depuis tout à l'heure, ils vont pas bouger parce qu'ils savent qu'on a un visu sur eux depuis des axes où on peut les avoir. On vote oui ou on vote non? Suivi, alors attendez une seconde. Qu'est-ce qu'on fait? Votons, tu chez nous! Votons! Une seconde. Commissaire Park du Brigade des Barres. Un pouce bleu égale un oui. Allez, écoute! On va essayer de rejoindre le commissariat, sortir une paf raide tous les deux. On va juste attendre qu'un autre effectif arrive sur zone. Ah, comment tu t'es fait niquer? Moi, je peux sortir l'hélico. Et moi, j'ai l'impression que c'est pas toi! Bon, en fait, je peux le sortir l'hélico. C'est pas toi qui va venir! Ok, excusez-moi, alors c'est pas toi qui va venir! C'est le commissaire! Le commissaire, il va monter dans l'avion! Comment tu t'es fait gicler ta place? C'était incroyable! Je l'ai vite reprise, tu crois? Oh, c'était fou! C'était fou, comment tu t'es fait. Arrête! Ah, c'était fou quand il s'est fait virer, c'est incroyable. Une autre patrouille va rejoindre votre position et va la prendre à partir du moment où ils vous auront rejoint. Merci à tous, ça fait plaisir. Merci Balthazar et puis merci à tous. Bon, tutinou, votez bien, YouTube, pouce bleu, abonnance. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous mets la position exacte où les effectifs doivent monter. Donc montez sur le Taco Bell, c'est là où on a le meilleur visu. Tu couvres, je reviens vers toi. Attends, bouge pas. Vas-y. Mec, faut que tu lasmates doucement, tu sais que j'ai le temps de descendre. Tu vois ce que je veux dire? Bon à faire. Il y a une patrouille qui arrive, qui va prendre ma place. La patrouille qui prend ma place... Ah mais mec, il fait nuit, je vois plus rien. Si le mec il bouge... qui prend ma place, va faire des tirs de Supra. Non, non, le mieux c'est que tu tires de Supra, que j'ai le temps de reculer maintenant, mec. Il fait nuit, je vois rien du tout. Si ça descend, je suis foutu. Position, s'il vous plaît. Taco Bell, toi, vous montez sur le toit et puis moi je récupérerai mon Allez, véhicule go, hey, pour aller chercher mon collègue et il faudra faire des Vas-y, tirs tire de suppression, mais toi fais-les. Ouais, c'est suivi, on arrive à prendre notre position. Vas-y, fais tes tirs. Maintenant ouais, fais tes tirs. Ok, vas-y. Ah putain, mec, j'ai raté l'escalier. Vas-y, continue de tirer. Bientôt plus de balles. C'est bon, j'ai réussi à m'extraire.
Putain, mec, j'étais bloqué dans l'escalier. C'est pour ça que je te disais qu'il fallait le faire de suite. Vas-y, viens, viens, viens. J'étais bloqué dans l'escalier, mec. Dans le noir, je voyais que dalle. J'ai mis 2 heures à descendre. Failli faire une descente en rappel. Vas-y, j'en mets 3 bastos. Vas-y, go, viens. Ouais, j'arrive. Attends, je descends. C'est une boîte auto, tu mets sur P et t'avances. Oui, mets sur D, D. Allez-y, montez. Mais tu parles à qui? Mais aux collègues, pour qu'ils parlent. On s'en fout des collègues. Je vais mourir. Viens me rechercher. Mets sur D. On sort dessus. Oh putain, il va m'écraser. Il saute. Allez, vas-y, go, sors-nous d'ici. Je vous coupe. Pour Alpha, vous prenez départ commissariat. On faillait mourir là. Regardez, il casse la voiture en plus. Oh putain, il a pété une roue. Oh putain, cible facile. C'est suivi. Coupe le bleu. Mais je peux plus rien faire. Non, non, pas au conducteur, sinon ça annule. Mais coupe le bleu. Mais non. Mais on va se faire dessouder. Oh là là. Pour info, les tirs, c'est la CQ, on va choper des infos. Se faire sniper là. Mais je te couvre. Je te regarde là, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et pas peur, et pas peur, et pas peur. Pourquoi t'as peur comme ça? Et pas peur. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Et tu me laisses conduire, hein? Allez, vas-y alors. Vas-y, go. Reviens, mais monte pas tout de suite, monte pas tout de suite. Allez, 80, 85. Oh là là, et on n'est pas en Suisse ici, on n'a pas notre temps, nous on fait pas des montres, hein? Poum, poum, poum. Mais qu'est-ce que tu fais? T'es pas encore dans le véhicule. J'arrive. Putain, bah heureusement que t'as jamais fait la guerre mondiale parce que... Hein? Aujourd'hui, ce sera un McDonald's de la Suisse, hein. En avant. Mais à gauche, reprends à gauche. Bon, pourquoi paradis, à gauche paradis. Ah ouais, on fait... Ouais, mais ça a pas été clair, on sait pas s'il y a des gars là-bas. Il y a peut-être des mecs au bout. Bah... Non, bref. Et la sécu, c'est clair. La sécu, ils sont morts au bout du chemin, là, la sécu. Si tu veux leur dire bonjour, on ira les voir après. Non, vas-y, go. Dis-leur que nous on s'extrait. Vas-y, tu peux raccrocher et dis à la radio qu'on a réussi à s'extraire. On se casse. On prend départ de l'Excite, pardon, et on se dirige direction le commissariat. Ouais, c'est suivi. Faites rapidement, s'il vous plaît, pour information. Un autre pack a été identifié sur la sécu marquée sud. Oh là là, ça va plus les gars, ça va être incroyable. Pour information, la sécurité lui tire actuellement dessus. Parfait. Ouais, c'est suivi, on peut plus vite. Allez, poussez-vous. Allez, regardez, dans 2 heures on est bloqué là. Ouvrez ça! Ah, la bande oui! Vas-y, c'est bon! Le monde qui est bloqué à ce rond-point! Enfin, à ce moment! Avec la retirée lourde! T'inquiète pas, on va revenir par les airs. Eh, il y avait du peuple, hein! Alors, ouais. Imaginez si les ponts étaient pas fermés! Je vous raconte pas le bordel! On aurait buté tout! Non, mais là, c'était fini, là! T'as vu le monde qu'il y a? Là, on avait zéro chance, mec. Il y aurait eu du sprinter à gogo, là. C'était fini. Bon, du coup, la suite. Hélico, sniper. En plus, c'est toi qui vas conduire, c'est moi qui vais tirer. Ouais. Donc, ça va être intéressant. J'espère que tu sais stabiliser ton engin, parce que sinon, on va jamais y arriver. Si, si, justement. C'est grâce à ça que je suis encore en vie. Justement, grâce à mon instinct de survie. Ah oui, non, mais ça chaîne. excuse-moi, monsieur le Suisse, mais bon, hein, voilà quoi. Hein? Voilà quoi. C'est pas les dodans, hein, même à 200. Ah bon? Oui. Ah ouais, bah c'est en partie parce que je prends pas les dodans à 200 que je suis encore en vie. Excuse-moi du peu. Bon, du coup, hélico, raid, sniper, qui sont ces tireurs fous? Vous le saurez dans le prochain épisode sur YouTube. Twitch, on continue bien évidemment. N'hésitez pas à nous rejoindre en avec Julien. Et Julien, tu vas essayer de ne pas t'écraser. Préviens ton chien qui doit pas toucher à la box. Parce que sinon, Léo, ça va être. Léo, touche pas la box. Fin d'épisode. À demain. Salut YouTube.